J'étais un footballeur. Son rêve de footballeur bascule à la suite d'un incident. Feissal Atiba va se retrouver amputé du bras gauche. Mon handicap est arrivé lors d'un petit incident. Et ce n'est pas un accident de circulation, non. C'est suite à un mal que j'ai senti et j'ai entraîné pendant un peu très longtemps avant d'être amputé. Depuis ces années, le jeune athlète a réussi à surmonter son handicap. Du football, il a désormais pour passion l'athlétisme. J'ai commencé l'athlétisme depuis l'année 2016. Mais avant l'athlétisme, j'adorais les sports quand même. J'étais un footballeur au village dans un petit club avec les amis et je faisais partie. J'étais le meilleur joueur du club et c'était là à commencer mon jeu de sport jusqu'à finir par l'athlétisme. Feissal Atiba connaît une ascension fulgurante dans la discipline pour ses débuts, avec notamment une médaille remportée aux Jeux de la Francophonie. En 2017, j'ai été sélectionné pour les Jeux de la Francophonie et c'était en juillet. Et heureusement, quand j'ai participé à cela, j'ai eu deux médailles de bronze aux Jeux de la Francophonie en saut à longueur. Feissal Atiba, amputé de bras, est déjà plusieurs fois médaillé. En 2017, il était médaillé de bronze aux Jeux de la Francophonie du côté d'Abidjan. En 2018, il a été double médaillé d'or au meeting international de Marrakech, c'était au Maroc. En 2019, il a récidivé en Tunisie à un meeting international avec deux médailles. Son succès n'est pas le fruit du hasard. L'athlète s'entraîne très dur. Il met du sérieux et de la rigueur dans ses séances. Je m'entraîne quatre fois, au moins quatre fois par semaine. Et par jour, au moins trois heures de temps d'entraînement. Et c'est le mercredi, le jeudi, vendredi et samedi. C'est mes jours d'entraînement. Pour séance d'entraînement, je peux dire qu'il est un peu facile de travailler avec lui parce qu'il est un peu discipliné et il capte bien les exercices éducatifs qui lui sont attribués, même dans sa maison. Sans l'entraîneur, il travaille tout seul. Feissal Atiba rêve de médailles africaines et mondiales pour le Bénin. Il était présent aux derniers Jeux paralympiques. Même s'il n'a pu remporter cette breloque, il a quand même amélioré son chrono. Son appétit de médaille pourrait se réaliser en 2024 aux Jeux paralympiques à Paris.